Yo l'équipe, c'est parti, on part sur un vlog. Pas n'importe lequel, le vlog tout simplement, pour savoir où ils en sont, ceux qu'on avait suivis pour la détente. Et là, c'est parti, on va dans une salle de basket, vous allez voir, et on va aller tester cette détente-là. Ça sera sur plusieurs épisodes, sur chaque personne. Alors, let's go. N'oublie pas de liker, t'abonner, et c'est parti, en route les gars. Bon les gars, c'est parti, là on est arrivé à la salle avec les gars. Ok, là ils sont en changement. Bon, c'est beau, ils sont plus en caleçon. Les gars, on a les tenues. On a les tenues, on va voir si... Ok, parfait. Sponsoriser les gars, directement, ça va monter. Vidéo récap. En fait, voilà, ce qu'on avait fait, on avait déjà tourné des vidéos pour savoir au début où ils en étaient. Et puis après, on a été faire une autre vidéo pour savoir les résultats. Et les résultats étaient vraiment impressionnants. Et là, on tourne une autre vidéo. Je la tourne que maintenant parce que je ne pouvais pas le faire avant. Et encore merci à Baller Price pour les vêtements. Là, c'est le premier épisode avec les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on va vous montrer la salle. On est tout simplement à Clairvaux, okay, le club qui nous accueille. Donc ça, c'est vraiment frais. On va vous montrer ça tout de suite. Là, tout le monde est sponsorisé, les gars, par Baller Price. Ça, les gars, c'est stylé. Et puis derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont aller s'échauffer. Un par un, ils vont expliquer un petit peu leur parcours et tout ça. Et puis après, on va voir ce que ça donne, les gars. Vous êtes prêts? Ouais. Les gars. Allez, go. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say. Les gars, on est sur une phase d'échauffement avec les gars, tout simplement. On est dans la salle de Clairvaux. Donc ça, c'est méga bien. Ici, on est tout simplement, bah voilà, on s'est mis un petit peu tous ensemble là sur un petit échauffement. Parce que c'est important de s'échauffer au début, parce que sinon, c'est que tu viens sauter directement. Après, ça va titiller le genou. Donc ça, ça risque d'être compliqué. Là, on va chercher des étirements dynamiques. Et puis après, on va être sur de l'échauffement un peu plus voilà, explosif et autres pour qu'on puisse aller voir où est la hauteur. Et puis voilà, tout simplement. Ce qu'on va faire, là, on se retrouve, bon, il y a tout le monde. Tu verras, vous verrez que sur chaque épisode, on va tout couper. C'est-à-dire que vous allez retrouver une vidéo où, on, par exemple, on va parler d'Alexis, une vidéo, on va parler de Lilian, une vidéo, on va parler de Baltus, et une vidéo, on va parler de Titouan. Et ce qui va me permettre de voir un petit peu, voilà, ça me permet de, tout simplement d'analyser un peu tout ça. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va les interviewer un par un, ok? Et puis vous allez voir leur saut, ok? Donc l'interview est importante pour savoir et qu'ils partagent avec nous leurs ressentis et autres. Et après leur saut, donc les sauts, moi ce que j'aime bien, c'est que là on va voir sur ces paniers-là, on va voir sur d'autres paniers sur le côté, on va voir sur des terrains dehors, on va voir avec différents paniers. Et ça, c'est important que vous puissiez juger, ok? Et puis même si, on ne sait pas, si jamais ce genre de vidéo ça buzz, bah, on peut se retrouver, je ne sais pas, à Marrakech, en train d'essayer les paniers à Marrakech. Ou alors, je ne sais pas si vous avez des idées, dites-le nous en commentaire, ça peut être stylé, voir s'il n'y a pas des paniers où on peut aller tester ça, voir si on peut arracher l'arceau. Let's go, on va passer avec Titouan. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Si toi aussi tu veux dunker, c'est simple, tu vas sur Google, tu tapes commentdunker.fr, tu vas avoir accès soit au programme pour avoir zéro douleur au genou, ou alors le programme comme le programme starter, programme or, le programme diamant. Ce qui les différencie, c'est finalement qu'est-ce que tu touches. Si tu touches par exemple rien, bah prends le diamant. Si tu touches déjà l'arceau, prends le or. Et si tu touches tout et que tu dunk, prends le starter. Les gars, on a Titouan. Titouan, let's go, on va faire la petite présentation. Tu te présentes, Titouan? Bah, moi je m'appelle Titouan, je joue en U17 région à Lens-le-Saunier. Ok. Je fais 1m81. Ouais. Et puis bah, mon objectif c'est de dunker. Voilà, c'est de dunker, chercher des gros dunks, c'est pour ça qu'il a taffé dur pour ça. Alors comme vous allez le voir, bon, la progression elle est énorme, notamment toi c'est sur le 2 pieds. Ah ouais, moi c'est sur 2 pieds. 2 pieds, qu'est-ce que tu peux dire sur le programme, ce que ça t'a apporté? En sachant que vous m'avez dit les points négatifs par rapport au programme, c'était le fait que tu avais tout le temps les mêmes exercices, tout le temps, et c'était chiant. Alors vous, on l'a adapté comme ça, mais moi, dans le programme, du coup, j'ai fait une mise à jour justement par rapport à ça, et il y a une évolution par mois, et tu n'as pas les mêmes exercices. Parce que justement, tes groupes musculaires, après, ils s'habituent, et sur ta détente, bah, après, tu as une stagnation. Ouais. Et tout le monde en a une stagnation, et le but, ce n'est pas qu'elle dure trop longtemps, cette stagnation. C'est de passer rapidement à une évolution derrière ça, et c'est par la variation d'exercice que ça se passe. Donc ça, c'était important de le dire. Là, on est sur l'épisode là avec ça, donc dis-moi ce que ça a pu t'apporter un petit peu tout ça, et puis voilà. Bah, ça a beaucoup renforcé ma jambe faible, ouais. Et beaucoup plus rapide sur le terrain avec ma jambe faible.
Ok. Et aussi plus rapide avec la jambe forte, mais la différence elle se voit moins du coup. Ouais, ok. Parce que j'avais l'habitude de sauter déjà. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout ouais, sur la jambe faible, ça augmente de malade. Ouais, ça augmente de malade. Et ce qui est important justement, bah, c'est pour ça le saut à deux pieds que tu as évolué. Mmh. Tu as évolué parce que tu as une jambe qui est forte, une jambe faible. Du coup, tu compenses avec énormément. Et ce qui est pas mal, c'est que quand là tu vas grandir, tes problèmes de genoux hauts, tu vas les limiter. Mmh. Et ça, c'est important vraiment parce que c'est beaucoup, vous êtes en train de faire cette erreur-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ça, parce que notamment après sur le dunk, Titouan, bah, derrière, c'est que même sur le terrain, ça lui apporte énormément. Pourquoi ? Parce qu'on a plein d'exercices qui vont sur l'explosivité et autres, et forcément, on le retrouve sur le terrain. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, bah, l'idéal, c'est que derrière, tu as des dunkers en match finalement. Ah là, en contre-attaque. Là, en contre-attaque. Donc ça va venir. Maintenant, c'est que là, nous, quand on fait des tests de dunk, bah, on a plusieurs essais, il y a plusieurs échecs et il y a de la réussite aussi. Et ça, c'est énorme maintenant parce que quand on regardait avant, bah, on se disait pas… On était loin avant. On était loin. On était très, très loin. Donc là, on arrive très, très fort. Et ça, ça fait plaisir en tout cas que tu aies pu suivre ça. Puis qu'on est sponsorisé aussi par Baller Pride et qu'on puisse être à Clairvaux justement là pour tourner. Donc ça, c'est vraiment cool. Si tu as un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, ceux qui veulent dunker, ceux qui veulent arracher l'arceau, qu'est-ce que tu peux leur donner ? Bah, surtout, pas hésiter à commencer hein, pour avoir des gros résultats et surtout travailler, suivre et être assidu sur le programme. Voilà, être assidu, quoi, ça, c'est important. Ouais. Sur tous les petits trucs, c'est vrai. Bon, bah parfait, Titouan, let's go, on va voir ce que ça donne avec toi. C'est parti, let's go. Bien joué, bien joué. Je pense que tu peux nous reclaquer ça encore bien fort, mais bien joué. Oula, la retraite. Ok, c'est bien intéressant. Mais attends, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que par rapport à la première vidéo, on va avoir vraiment la diff là. Ça, c'est cool. Toi, on va voir son test. Où est-ce que tu as sauté ? Toi, t'as vu une différence sur ça ? Ouais. Ok. Ah ouais, t'es bien. Oh la vache, t'es bien. Large maintenant deux pieds, sachant que c'est pas simple deux pieds, on va voir. Ah ouais, ah sur quoi t'as vu ta différence? Bah là beaucoup plus facile de sauter. Ouais, pas forcément beaucoup plus haut, mais plus facile de sauter. Ok, donc sur ton explosivité, ton pied d'appui est beaucoup plus percutant. Ouais, voilà. Beaucoup plus haut. Ok, ça c'est parfait. Ok, bonne progression de ouf. Ok. Allez. Allez. Oh. Oh. Bien joué. Il était beau. C'est juste dingue de voir cette évolution de malade. Oublie pas que la plupart ont à peu près 14 ans. Est-ce que toi, à 14 ans, tu dunkais ou est-ce que tu dunks ? En tout cas, c'est des résultats qui sont impressionnants. Alors forcément, c'est pas des dunks à chaque tentative qui va le réussir. Mais finalement, quand il tente plusieurs fois, on voit que de justesse, il vient dunker. Alors qu'à la base, pour lui, toucher la planche, c'était compliqué. Pour la prochaine vidéo, Alexis Lilian ou Baltus, qui veux-tu voir ? Dis-le nous en commentaire. Et puis si tu as loupé les vidéos du début, alors je t'invite à aller checker ça.